Putain, j'ai pas grand chose, hein. Thank you.
clavier en avant. Ah, impeccable. Impeccable. Eh ben dis donc. Voilà les petits loups. Bon, vous venez d'avoir une petite séance de vol par... Oh, 5 degrés Celsius. Voilà. Bon, ben j'espère que ça va servir de base pour les décos de Marco, de Sébastien, de David, puis tous les autres là qui sont bientôt prêts. Ouh, j'ai froid aux mains. Oui, alors le pivot, vous voyez, je l'ai fait sans les gants. Pourquoi? Parce que ben moi, j'aime pas les gants. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas très agréable. Voilà. Bon, ceci dit, vous avez vu l'approche. Donc, moteur calé. Enfin, moteur calé, moteur au ralenti. Et puis, dès que l'approche, on arrive dans la finale, on voit bien sa manche à air hein, sur sa voiture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a du thermique, on a des vents qui tournent un petit peu. Donc en effet, on est susceptible d'avoir une variation de la direction du vent à l'atterrissage. Donc là, en l'occurrence, il fallait bien visionner la manche à air de la voiture. Et puis, voilà quoi. Hein? Bon, au prochain vol, je ne sais pas pour quand, pas demain parce qu'il y aura du vent. Mais j'espère avant la fin de la semaine. Mais ce sera peut-être en chariot parce qu'il y a des baptêmes. Ah! Allez, hop! Oh là 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 là. Un peu frais, hein, quand même. Bon, il aime ça, hein, le gars. Hein. Allez. Hop. 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 Voilà, la petite bécane. Combien on a bouffé? Ah ouais, on a quand même bouffé, on était à 7 litres, on est à 4 litres, on a bouffé 3 litres, on a dû voler donc une heure, je sais pas combien on a volé. On a dû voler une heure et quelques. Ah oui, la nuit c'est un peu noir, ça c'est normal. Voilà, moi pour le reste, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah oui, j'avais oublié de mettre mes boules caisses, c'était pas très sympa. Ah, ouf, un peu frais, hein. Un peu frais aux mains, mais sinon ça va. Bon, ben voilà. Ah, la dame avec son petit chien. Bonjour madame. Comment? Ça y est, j'ai fini. Ah ouais? J'ai fini. Vous avez pas vu? Vous avez pas vu? J'ai vu juste la seconde, vous êtes arrivé là, mais c'est tout. Salut toutou, comment tu vas? Tu veux faire un baptême? Ouais, c'est pas un delta. Ça c'est un paramoteur. Un paramoteur? C'est un parapente associé à un petit moteur que vous avez dans le dos. Voilà, bon, ça permet de voler, mais ouais. C'est pas très compliqué. Moi j'enseigne ce genre de choses. Ah bon? Ouais, moi j'ai fait du parachutisme. Ah, c'est différent le parachutisme. Ouais, c'est un avion. C'est différent. Ouais, il est chaud. Ouh, j'ai un peu froid, moi. Ouais. Mais sinon ça va. Là, et vous partez d'où alors quand vous faites ça? Là, vous voyez, je suis parti d'ici. Ah, d'ici, jusque-là. Ah oui, non, j'ai pas. Je suis parti pendant. Deux secondes, là, quand j'étais on met ça dans le coffre de sa voiture et puis on déballe, on décolle, on fait son petit vol, on fait ça avec des amis généralement. Ah, mais vous tournez par là et vous revenez. Bon, là, je suis allé à 20 bornes à peu près d'ici. Ah, 15 bornes, ouais. Ah, ouais 15 bornes, même. Ouais, 15 bornes. D'accord. En fait, non, je suis pas allé très loin, j'ai dû faire 10 bornes, mais j'ai fait une boucle. Moi, j'ai fait toute la vallée là. Je suis allé jusqu'à Averne, un peu plus loin d'Averne. Ah oui, c'est sympa ça. C'est pas mal. Vous n'avez pas de gants pour faire ça? Il n'y a pas de. Vous n'avez pas de gants pour. Non, mais là, je n'ai pas voulu mettre de gants. Mais ah je suis. Ouais. Ah ouais. La prochaine fois, je vais mettre des gants. Mmh. Mais je suis assez, assez robuste, hein, je vous rassure. Ouais, c'est marrant ça. Voilà. C'est pas système. C'est sympa. C'est le système des deltas, non? C'est du parapente en réalité. Parapente. Ouais, c'est parapente, c'est volure souple. Alors il faut quand même qu'il y ait de la pente. Non, pas du tout. Là, j'ai décollé là, comme je suis arrivé là, j'ai décollé. Ah ouais, d'accord. Vous gonflez votre voile, il suffit d'avoir un petit peu, une petite brise d'air et puis un peu de volonté de votre part, un petit peu de savoir-faire. Ah oui. Et puis après, la voile est là, vous continuez à allonger la foulée, vous mettez le moteur vous pousse agréablement et ça décolle assez vite. Évidemment, là, on s'en fiche du vent avec ça. Si. Comme tout aéronef, on aime bien avoir du vent de face. Pour décoller. Si on n'en a pas, c'est pas. Oui, pour si on n'en a pas, c'est un peu plus dur. Il faut créer soi-même, donc il faut avancer de façon un peu plus pertinente. Voilà. Toute la difficulté est là, en réalité.
Parce qu'en vol, bon, ça n'a rien de. Il faut connaître un peu la masse d'air, parce que suivant les saisons et suivant les heures de la journée, la masse d'air change. Il faut, savoir l'exploiter un peu, ou tout du moins connaître les mouvements qu'il va y avoir et savoir si on va les accepter ou non. Et faire en sorte de, que le profil reste toujours là. Ah oui, bon, eh ben, écoutez. Avec le temps, le beau soleil. Ben, ça revient là, c'est, ouais. C'est les beaux jours qui arrivent. On espère. Bonne fin de journée à vous, ouais. Merci. Bon, oh, presque un nouvel élève, merde. Presque un nouvel adepte. Bon, allez, on va couper la caméra. Alors messieurs, vous voyez, aujourd'hui je suis tout seul. Tout seul comme un grand. Hein. J'aurais aimé que vous soyez là, mais bon, vous êtes au boulot, là. Vous faites chier là derrière vos PC. Bon, moi c'est mon bureau, ça. Bon, il est pas mal hein, comme bureau. Hein, ouais. Ouais, non, c'est pas une photo, hein, c'est véritablement mon bureau. Bon. Allez, je vais arrêter là. Je coupe. Allez, je vais la caméra. Il est où le zozo? Oh, il est là. Voilà.